fait, depuis le 18 avril, il y a plusieurs nationalités ici. Il y a des Soudanais, Somaliens, Mauritaniens, Mali, tout. Dès qu'on est rentré ici, on est venu frère. Parce qu'on est là plusieurs années dans la rue, la froid. Et courir avec les polices, aujourd'hui, si nous déplacer, il dit pas l'autre côté, on était là-bas, demain il va aller l'autre côté. Maintenant, dès qu'on est rentré ici, tout ça s'est mis. Plein de choses qu'il m'a donné, nous. Ça nous fait plaisir. Les voisins venaient trouver nous comme ça là. Ils m'ont donné bon, des choses manger et des draps voilà, pour coucher. Voilà. Ils ont continué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Hier, on a compté parce qu'on a eu plein de Français qui venaient écouter pour expliquer notre problème. Nous, les immigrés de la Massac, de cette ville soulignée, nous sommes très ravis de votre présence parmi nous au sein de la Massac. Nous avons mis les revendications vers l'État français. Mais nous mettons l'accent sur des choses qui sont primordiales dans la vie de tout un chacun et qui sont d'ailleurs des droits fondamentaux. Comme l'adage dit, les hommes naissent demeurent libres et égaux devant la loi. Du coup, nous avons des choses dont nous avons besoin. Nous, les immigrés, la première chose dont nous avons besoin sont les papiers. Les papiers nous permettent de travailler et en travaillant, on participe non seulement au développement de ces pays, mais aussi ça nous permet de subvenir à nos besoins. Ça évite qu'on soit exploité par les patrons. Nous avons aussi besoin de logements. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons occupé ces bâtiments pour mieux s'organiser et pour se protéger de la rue. وحين كل شاب يطلع من السودان لليبيا لدول أخرى عشان نوصل أوروبا يعني بمعاناة صعبة جدا بالبحر بالسنبق في ناس يومي بتموت كل يوم بيموتوا الآلاف عشان يوصل أوروبا يحققوا أعمالهم ويعيشوا بسلام عشان هناك العيشة في بلدنا بس الديمقراطية والحكومة والسياسات بالنسبة لنا صعبة جدا يعني اليوم حلم أي شاب يصبح إنه يكون ماشي في الشارع احتمال يموت بسبب الديمقراطية وسبب العنصرية وسبب التنمر اللي تعرض له من حكومتنا والضغوطات اللي تعرض لها من بلادنا لازم الواحد يجي يعيش بحرية وأمان وسلامة أول ما يتم إنقاذنا من البحر من السفن الإيطالية بالتحديد بيتم البصمة بتاعتنا بالإجباري علينا يعني نحن بنكون جوا السفينة يا تنزل يا تبصم أو ما تنزل تكون موجود في البحر لماذا نحن لا نعيش في مجتمعكم بسلام بسبب الدبلن بسبب المشاكل اللي نحن بنتعرض لها الواحد بخلي بلده من هناك ما بيجي عشان يتهان ويتزلل لازم يعيش حياة كريمة وحياة سليمة ولازم يفكر إنه جاي لجنو ويكون عنده حقوق يكون عنده مساواة بينه وبين يعني العدالة مفترض تكون لأي لاجئ جاي من بلده خاصة فرنسا بالتحديد. Il y a 10 jours, dans la nuit vers 3 heures du matin, un groupuscule fasciste, selon nos informations, c'est des gens de génération Zemmour, donc les jeunes avec Zemmour, ont attaqué le lieu. Ils ont essayé d'entrer, ils étaient armés, notamment avec des espèces de matraque télescopique ou des barres de fer. Certains d'entre nous ont bloqué la porte et d'autres ont couru à l'étage pour aller chercher d'autres personnes et leur demander de descendre. Comme les gens sont descendus et qu'ils ont bloqué la porte donc par laquelle vous êtes rentrés, les autres qui étaient armés ont essayé de casser la porte, donc la seconde porte, le renforcement qui aujourd'hui est barricadé. Face à la résistance et au fait qu'il y avait 30 personnes qui étaient prêtes à se défendre, les fascistes ont pris la fuite après avoir déposé un fumigène et d'avoir gazé des gens dans le bâtiment par les étages et par les fenêtres. Et on sait très bien que si on avait on avait fait un problème avec eux, la police aurait eu un prétexte pour tous nous expulser. كل يوم بواجهني الذلة والإهانة والمعاناة وأخيرا لماذا تواجدنا هنا؟ تواجدنا من أجل التعايش
ونحن عايزين حل مضمون وحقيقي بالنسبة للورق والسكن والمساواة وعايزين حل جماعي. Donc il y a eu cette attaque, on s'est rassemblés ici, tous les habitants, les personnes solidaires, et on a décidé d'organiser un meeting pour faire front tout simplement, pour appeler à toutes les organisations qui ne nous soutenaient pas encore, ou qui nous soutenaient déjà, à faire front et à ne pas tolérer le fait qu'un lieu d'organisation politique, qui est aussi un lieu de vie, on soit attaqué par des fascistes qui attaquent ce lieu au nom du fait qu'on s'organise ensemble et qu'on lutte. Et qu'on est, c'est pas un squat simplement pour vivre, mais un squat pour s'organiser et pour lutter ensemble, pour trouver des solutions collectives pour des papiers et des logements. Concrètement, nous, on s'organise contre le fascisme en essayant d'aller obtenir des victoires collectives pour et avec les immigrés. C'est une lutte antiraciste, donc fondamentalement, c'est une lutte antifasciste. Donc, on faisait ce meeting, on a invité donc des élus prêts à nous soutenir. Oui. Bonjour à tous, Frédéric Dutreuil, élu écologiste du 9e arrondissement. C'est possible de recommencer comme ça, vu que c'est une réponse à partir aux gens qu'on puisse en traduire. On traduit en live ce que tu dis. Alors, je me représente, Frédéric Dutreuil, élu écologiste du 9e arrondissement. Donc j'étais présente le 18 avril lorsque vous avez investi les lieux. Hein, je suis venue en soutien pour voir surtout que ça se passerait bien. Nous, au niveau de l'arrondissement, ce que nous avons essayé de faire pour vous aider, c'est déjà de demander à la maire du 9e d'organiser une collecte alimentaire, ce qu'elle a refusé. Vous êtes vues comme des personnes... pour certains qui viennent prendre le pain de la bouche des Français, hein, c'est le cas des personnes qui sont venues vous attaquer, hein, c'est les racistes qui pensent que vous êtes la cause de tous les maux. Et ce que peuvent faire la nouvelle Union populaire écologiste et sociale, c'est de remporter les législatives sans prise de pouvoir politique. Votre situation mettra du temps, énormément de temps à s'améliorer, voire est vouée à s'empirer. Anne-Pierre Bourg, je suis adjointe à la maire de Paris en charge de la politique de la ville. Vos témoignages, ils sont importants, ils sont très importants. Alors, en tant qu'écologiste, on a vu tous ces problèmes. En tant qu'écologiste, ce qu'on porte, c'est la fin du règlement de Dublin. C'est qu'il y ait une vraie politique d'accueil au niveau européen. Mais aujourd'hui, il faut que ceux qui ont le droit de vote aillent voter pour qu'on puisse en effet changer ces politiques migratoires, changer la politique du ministère de l'Intérieur. Mais l'État n'est pas au rendez-vous. Et Ville de Paris, on fait le maximum avec, pour ouvrir des hébergements, pour accompagner dans l'accès aux droits, parce qu'on sait la disparition des créneaux en préfecture. Et la dernière chose qu'a fait la ville de Paris, c'est interpeller l'État pour qu'il y ait les mêmes conditions d'accueil pour tous les migrants. Et le chemin est long, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, et j'en suis désolée, ça... mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va continuer à combattre à vos côtés. Au PS, vous avez tous les membres du PS quasiment, sauf trois rares exceptions, ont voté pour la loi asile-immigration. Ici, vous entendez des discours de gens qui sont tous dublinés. La loi asile-immigration, elle a renforcé les pouvoirs des préfectures. Comment vous pouvez venir vous présenter ici et demander les votes des soutiens qui sont présents là? Je trouve ça extrêmement désagréable et je pense ne pas être la seule. Je suis désolée, mais quand on vient dans un lieu occupé, on essaye d'être un peu humble et on se rappelle à ses obligations d'élu. Et vos premières obligations d'élu, c'est d'aller taper un peu dans vos partis. Mais Médecins du Monde a tapé à votre porte. Il y a plein d'organisations qui ont tapé à votre porte, petites, grandes, pour dire attention, vous avez oublié les mineurs isolés étrangers, vous avez oublié les TDS, vous avez oublié les femmes migrantes dans votre projet politique. Comment vous pouvez vous présenter et nous dire votez le 12 et 19 juin? C'est un peu bizarre comme réponse. Pourquoi vous n'avez pas bossé et vous êtes venu avec des solutions étayées pour les gens qui sont présents ici, pour les gens qu'on reçoit dans nos associations et pour les gens qui sont dans la rue? Je comprends pas, moi. Ah.
plein de choses très intéressantes ici qui sont en train d'essayer de faire comprendre ce que vous êtes en train de dire, et ce n'est pas notre but politique, parce qu'ils ne peuvent pas voter. Camille Nager, donc moi je suis conseillère de Paris communiste, élue du 19e. En tant qu'élue, notre première action, c'est d'être présent aujourd'hui, mais pas seulement, c'est de partager, d'en parler et d'exprimer notre solidarité avec vous, notre solidarité contre les fascistes, contre les racistes, que ces attaques ne puissent plus se reproduire. Et nous continuerons de porter l'exigence de réquisition aussi des bâtiments vides comme ceux-là qui existent partout dans Paris et que la loi doit permettre de réquisitionner. Écoutez, je ne suis pas. Oui, mais comme vous pouvez le constater, je ne suis pas Yann Brossat. Oui, vous êtes là. Voilà. On fait passer le message. On ne peut pas répondre à sa place, mais on va directement faire passer le message. Je m'appelle Nour Durand-Rocher, je suis aussi élu à la mairie de Paris, écologiste. Et donc la question, c'est comment est-ce que, par le plaidoyer, on peut porter vos histoires et comment est-ce que l'humanité peut se retrouver et comment est-ce que les Françaises et les Français peuvent se sentir concernés par vos histoires. Mais sans gaffe, c'est il y a 20 ans, les histoires, on les connaît depuis 20 ans. Toi, tu les connais depuis 20 ans. C'est pas vrai que les Français les connaissent depuis 20 ans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être qu'on fait pas assez, certainement qu'on fait pas assez, mais il y a un problème réel de ceux qui ne font rien et qui ne veulent pas faire avancer la situation. Et ils le feront avancer quand le peuple leur demandera. Comment ça, quand le peuple... Mais oui, absolument, c'est une histoire de communication, donc c'est une histoire de qu'est-ce qui fait que les Français votent pour ci ou pour ça. Mais nous on veut que ici, qu'ils aient des papiers aussi. Ils en ont fait une tribune politique, et c'est pour ça qu'on est là ici. Donc de tout autant, on ne peut pas attendre toujours que les gens soient convaincus. Mais qu'ils le sont. Excusez-moi, comme il y a beaucoup d'interventions encore, on propose d'ouvrir la discussion à la fin. Peut-être s'il y avait quelqu'un qui levait la main juste et après on avance sur le planning et on discute à la fin si ça vous convient. Vous parlez de Yann Brossat. Yann Brossat, c'est quand même la personne qui est en charge de l'hébergement à Paris et de l'hébergement d'urgence. Yann Brossat, aux abonnés absents depuis des semaines, vous parlez de réquisition des logements, mais ces projets sont portés depuis des années par les associations qui peuvent être représentées là. Comment vous pouvez honnêtement dire et venir chercher la voie des soutiens, parce que c'est ça que malheureusement vous êtes en train de faire, pour vos votes le 12 et 19 juin. On est d'accord, on est tous pour le droit de réquisition, mais qui a compétence pour le mettre en œuvre? C'est là. Non mais je veux bien, si demain c'est moi qui ai les compétences pour mettre en œuvre le droit de réquisition, je le fais. Donc ne nous reprochez pas des choses donc qui ne rentrent pas dans notre champ de compétences. On est là pas pour se faire allumer, on est là parce qu'on essaie de faire avancer les choses et chacun à leur niveau. Moi je suis conseillère d'arrondissement du 9e. J'ai fait à mon niveau, dans mon champ de compétences, ce que je pouvais faire. Demander à la mairie du 9e d'organiser une collecte alimentaire. On nous dit non. Lundi on avait un rendez-vous... de prévu avec le cabinet de Yann Brossat. Le fait que le meeting ait eu lieu, ça fait que le soir même, on a reçu un mail qui nous disait que d'un coup, on avait un rendez-vous pas avec le cabinet, mais avec Yann Brossat lui-même. Donc la lutte, ça paye. Mettre des gens ensemble pour faire front antifasciste, ça paye. Et les élus ont contribué à ça parce qu'en fait, ça leur a été en partie imposé du fait qu'on s'organisait, il y avait un groupe politique en face et donc ils se devaient de nous soutenir et de nous aider à pouvoir négocier directement avec la personne qui peut faire la pluie et le beau temps au niveau du logement à Paris. Donc Yann Brossat. Maintenant, on a besoin de soutien pour nous soutenir les papiers et le logement. C'est ça qui est très très important pour nous, parce que pour un cas, on est là aujourd'hui, demain s'il y a des états de sort, on va être comme avant. On ne fait pas ça. On fait que
on trouve des logements et des papiers pour tous travailler comme les immigrés qui est là ou les Français qui est là. Ça qui est en besoin. Donc toi, pour des Ukrainiens, tu fais quoi ça? Tu veux quoi toi ici? Tu es Ukrainien toi? Ça va l'Ukrainien? Moi je suis d'un mot. Il y a des